Bonjour les enfants. Tonton Zob va vous raconter une belle histoire. Il était une fois Pierre Gattaz, chanteur du groupe Médès. C'est du death metal progressif. Pierre, dit Pierrot le dingue, rêvait de gloire et de paillettes pour sa grande musique. Avec ses fidèles musiciens, FO, CFDT, CFTC, CFE-CGC, ainsi que CGPME, il s'était inscrit au concours Austérité 2014. Un petit radio-crochet sponsorisé par une banque des îles Caïmans. Parmi les groupes adverses, il y avait le combo de variété pop Mouduc, avec sa chanteuse Aurélie F. Il y avait aussi CGT, c'est du rock alternatif, et CIP United, c'est du punk rock. CIP signifiant coordination des intermittents et des précaires. C'est pas un très joli nom de groupe de musique, mais enfin. Pour être certain de remporter le concours de sa vie, Pierrot n'avait pas chômé. Il avait lui-même rédigé le règlement intérieur du concours. Il était également impliqué dans l'organisation de l'événement, gérant entre autres l'équipe de bénévoles qui, malgré leur engagement, étaient contraints de payer leur repas, leur boisson et devaient aussi s'acquitter du tarif d'entrée. La fronde grondait, mais Pierrot gérait. Pierrot était aussi membre du jury. Jury présidé par d'anciens intermittents du spectacle, tels que Manu V, François H et François R, qui eut jadis sa petite heure de gloire avec son tube rond et cylindrique « Je retourne ma veste et j'offre la vaseline ». Le jour du concours, malgré la prestation médiocre de Médès, tout se passa comme prévu. L'ingénieur son du concert, qui était aussi celui de Médès, fit un son exécrable pour Mouduc, CGT et CIP United. Pierrot, ayant quelques relations, promit aux membres du jury que les subventions qu'ils avaient sollicitées pour leur futur projet ne tarderait pas à tomber. Parole d'homme. Seul le journal local regretta que CIP United ne remportasse le concours. Leur prestation ayant été bien meilleure. Mais bon. Quant au public, il n'avait pas passé une soirée extraordinaire. Mais il rentra chez lui et oublia bien vite cette soirée. Moralité les enfants, faites confiance à Pierrot. Dormez bien. Pierrot s'occupe de tout.